Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Elodiata. Aujourd'hui, je vous propose de faire du jambuja. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Il n'y a que 3 ingrédients. Mais si la recette vous plaît, mettez plein de pouces bleus tout de suite en dessous. Et maintenant, je vous laisse avec la suite de la recette et les ingrédients. Alors, on va commencer par torréfier les noisettes. Donc, on va les mettre sur une plaque qui va au four pendant 20 minutes à 160 degrés. Ensuite, on va les émonder avec la main. Ensuite, on met les noisettes dans le bol mixeur. Vous allez rajouter le sucre glace. Et vous allez mixer jusqu'à obtenir une pâte lisse, onctueuse et homogène. Après avoir mixé plusieurs minutes, vous allez vous retrouver avec une pâte qui a cette texture-là. Maintenant, on va mélanger la pâte de noisette au chocolat. Donc, j'ai porté de l'eau à ébullition, donc j'ai fait un bain-marie, mais j'ai éteint l'eau lorsqu'elle était suffisamment bouillante. Et après, il suffit de mélanger jusqu'à ce que vous ayez une texture homogène. Ensuite, on coule notre jambuja soit dans un moule, soit dans une boîte hermétique, c'est comme vous voulez. Et ensuite, on va laisser refroidir le tout au frigo pendant minimum 2 heures. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à le démouler et le couper en petits rectangles. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, c'est très simple et très facile de réaliser du jambuja soi-même, donc que du 100% maison. En commentaire, dites-moi si vous voulez que je vous fasse des recettes à base de jambuja et si vous en avez déjà goûté. Donc à très bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes sur ma chaîne.